Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, aujourd'hui on se retrouve pour le 123e jour de cette année de staking. Les derniers épisodes que je vous ai fait, ils étaient vachement longs, donc aujourd'hui je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, de vous faire un format un peu plus court, on verra bien si j'y arrive. En tout cas, on va commencer tout de suite et je vais vous montrer les deux stratégies que j'ai qui sont en cours et qui ne vont pas bouger pour l'instant. En tout cas, qui vont pas bouger pour cet épisode. Donc la première strat, c'était sur Thundercore Hub. Il y a un peu plus d'une semaine, j'avais mis des USDT sur Thundercore Hub. Je les ai mis à travailler à 30% d'intérêt. Malheureusement, c'était une campagne promotionnelle, donc ils ont été déposés que pendant 5 jours. Donc ça m'a fait à peu près 2$ d'intérêt, sachant que j'avais déposé 500$. Là, je les ai remis pour 30 jours. Alors ils sont bloqués, hein. Je peux pas les retirer du tout pendant 30 jours. Et à la fin, j'aurai 10% d'intérêt. Intérêt annualisé, donc à peu près 4$, comme j'ai déposé 503$, on peut les voir ici, ils sont bloqués jusqu'au 2 juin 2022, donc voilà, il n'y a plus grand chose à en dire, hein. On va juste attendre maintenant que cette période se termine. Alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre ce que je fais sur mon tableur, là les intérêts que j'ai fait sur ces USDT, je les ai pas mis sur mon tableur, tout simplement parce que je vais cumuler les deux fois où je fais des intérêts. Les intérêts que j'ai fait sur 5 jours et les intérêts que je suis en train de faire sur un mois là, je vais tout cumuler d'un coup et rajouter ça sur le tableur à la fin pour qu'on puisse voir la plus-value que j'ai fait, blablabla. Pour les USDT, on va pas s'emmerder avec le tableur pour aujourd'hui, on verra ça la prochaine fois, mais vu que c'est le 2 juin 2022, à mon avis ce sera pas dans le prochain épisode. Parce que ce qu'on risque de voir dans le prochain épisode, ce sera mes stablecoins sur la blockchain Phantom. Actuellement, ils sont encore sur Moonpots, hein. C'est une loterie, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et actuellement, ils sont déposés, ils me font 9,2% d'intérêt, donc il y a une partie d'intérêt en stablecoin, une partie d'intérêt dans le token POTS, donc le token de Moonpot, et sincèrement je sais pas si je vais le garder ou si je vais le revendre, je pense que je vais le revendre, on verra bien d'ici le prochain épisode, et on ne sait jamais, je reste au moins jusqu'au prochain tirage, et me connaissant je vais sûrement rester 2-3 jours de plus, pas parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans 2-3 jours après, hein, c'est juste parce que j'aurai pas spécialement le temps, et du coup bah, je vais laisser les stablecoins travailler sur ce protocole pendant 2-3 jours. Au prochain tirage, j'ai une chance sur 195 de gagner la loterie, et qu'est-ce qu'il y a à gagner en ce moment? Bah, je vais vous montrer ça, on va aller sur Moonpots, aller où la poule avec les stablecoins, aller ici, et en ce moment il y a 5 vainqueurs qui vont se partager 332,73 G3 CRV USDLP. Alors là si ça c'est pas un nom barbare, si ça ça donne pas envie de s'éloigner, de prendre ses pieds et de courir le plus loin possible de MetaMask, non évidemment ne vous en faites pas, c'est pas si obscur que ça, en gros c'est 338$ en stablecoin, voilà. Une chance sur 195, j'y crois pas. Pas, sincèrement, mais je serai très content si ça arrive. Bref, arrêtons de rêver pour aujourd'hui. Là, on va revenir dans le sérieux, dans le concret. J'ai fait un petit peu de la merde. J'avais acheté du ASTR. Malheureusement, j'y croyais beaucoup. Et là, il y a Starlay Finance, il y a ArtSwap, qui sont deux protocoles phares un petit peu sur cette blockchain. Et pour l'instant, ça se développe pas du tout. Les tokens en fait de ces deux plateformes, donc le ARSW pour ArtSwap et le LAY, LAY pour Starlay, ils sont toujours pas lancés, ça veut dire qu'on peut toujours pas les récupérer, on peut toujours pas les revendre. C'est un petit peu embêtant de déposer des cryptos pour miner du vent, moi ça me fait un peu chier. Donc j'ai perdu confiance entre guillemets dans le projet, donc je vais vendre les ASTR, tant pis, j'accepte ma perte. Cette fois-ci on n'ira pas au casino pour essayer de regagner la perte, hein. On est des grands, de temps en temps on peut les assumer. Hein. Donc je vais retirer déjà les ASTR de Starlay Finance et ensuite j'irai les vendre sur l'autre protocole que je vous ai montré à l'instant, ArtSwap. Ah oui mince, là j'ai juste changé de réseau, je pensais que j'avais déjà préparé la transaction mais non. Donc pour les retirer, je me mets sur Withdraw, je clique sur All, et là je vais pouvoir récupérer mes 493,6 ASTAR. Magnifique. Ah non, il faut que je rejette la transaction, il faut que je vous montre un truc. En ce moment, les transactions sur la blockchain ASTAR sont vachement lentes, je sais pas trop pourquoi, donc je vous invite à speeder vos transactions. Et comment on fait pour speeder ces transactions? Eh ben, on augmente hein, le prix des transactions. Hop, on met 1,5 GWAY, et de toute façon, ça, c'est une valeur proche de 0$, donc 0 x 1,5,
ça fait zéro, on est d'accord, on paye toujours quasiment rien en frais. Vous avez vu, suivez le conseil du pro, je suis monté à 1,5 G-Way, n'allez pas faire le fou, n'allez pas mettre 500 ou 300 juste pour être le premier à faire votre transaction, ça vous allez être le premier, je vous le garantis, mais si vous payez toutes vos transactions à ce prix-là, au bout d'un moment, ça va devenir aussi cher que sur Ethereum. Hein. Bon, j'abuse un petit peu quand même, hein. Mais voilà, évitez de faire attention quand vous bidouillez les transactions, si vous ne savez pas à quoi vous touchez, n'y touchez pas, et attendez, prenez votre mal en patience. Là, j'ai mis 1,5 G-Way parce qu'en ce moment, quand on laisse à 1, je sais pas pourquoi, ça prend un quart d'heure pour que les transactions passent. Là, vous voyez, c'est passé assez vite, mais j'ai même pas le temps de terminer ma phrase que c'était déjà terminé. Bon, c'est pas non plus la blockchain la plus rapide, mais c'est déjà pas mal. Donc, les ASTR, malheureusement, je peux pas les swap tout de suite, faut que je les convertisse en WASTR. Bon, c'est qu'une formalité, j'ai envie de vous dire. Alors, on va pas tout convertir, on va en garder un petit peu. On sait jamais, puisque comme sur Starlay, j'ai des intérêts en LAY qui, pour l'instant, valent potentiellement un peu plus d'un dollar. Sur ArtSwap, j'ai aussi des intérêts dans le token de la plateforme. Voilà, j'aurai un intérêt à revenir plus tard sur la blockchain Astar, on sait jamais. Peut-être que je vais pouvoir gratter un petit billet quand leurs tokens seront enfin lancés. Mais bon, ça c'est dans un avenir plus ou moins proche. Là on est dans le présent, et dans le présent on va vendre les ASTR. Peut-être que c'est une très mauvaise idée, peut-être que je vais le regretter d'ici 2-3 semaines, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Je vais perdre quoi, une trentaine de dollars cette fois-ci, par rapport à ce que j'ai investi dessus. Sincèrement, sur cette année de staking, j'ai fait pire. Ah, mais je risque d'attendre longtemps là, si on n'augmente pas le G-Way. Mince, j'ai laissé ma transaction avec un nombre de G-Way normal. On va l'augmenter, on va l'accélérer. Ça y est, j'ai mes WASTR, je peux les échanger contre des USDC. À peu près 78$, ouais, c'était vraiment pas l'investissement du siècle. C'est dommage parce que au début, quand je venais de les acheter, c'était super bien parti. Dommage, hein, c'est la vie, parfois on fait des erreurs. Aïe aïe aïe, la transaction, je viens de l'ajouter sur mon tableur. Ah mince, j'ai oublié de calculer la plus ou moins value. Bah c'est pas grave, comme ça on va pouvoir la faire ensemble. J'ai acheté mes ASTR à 23 centimes, aïe aïe aïe. Par contre, je suis sorti avec beaucoup plus d'ASTR. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais qu'à un moment, j'avais des récompenses sur un protocole que j'avais converti en ASTR. J'en ai converti tant que ça. Pourquoi pas, on va pas se casser la tête. J'ai investi 109,836$, j'en ai sorti que 77,851, ça fait 31,985 de pertes. Et en pourcentage, ça fait combien? Ça fait moins 29,12%. Voilà, cette fois-ci, mon tableur, il est bien rempli, et on va passer du coup sur FTX. C'est l'application, évidemment, avec laquelle je suis mes crypto-monnaies, et on va retirer du coup les ASTR que j'avais. Donc, ajouter une transaction, on va du coup mettre vendre cette fois-ci, et on a vendu 495,8 ASTR, et je l'ai calculé, le prix, hein, il est juste ici, à environ 0,157$. Sur FTX, quand je fais des achats, j'aime bien être très précis, avoir 4, 5, 6, 27 chiffres après la virgule. Par contre, quand je vends tout ce que j'ai, je m'en fous un petit peu d'être précis parce que, vous allez le voir, hein, dans tous les cas, que je mette, que je l'ai vendu à 15 centimes, à 13 centimes, à 28$, ça ne change rien. Maintenant, ils apparaissent plus sur mon suivi, ils valent 0 maintenant. Par contre, il y a un truc qui n'est pas à jour, c'est mes USDC forcément, donc il faut que j'ajoute une nouvelle transaction. Moi, je fais transfert vers mon portefeuille et depuis une source externe, et j'ai 77,851 USDC à ajouter. Voilà, on est bon, la transaction, elle me paraît ok, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc aujourd'hui, on a 3874$ sur le portefeuille, je crois qu'on est en baisse depuis le dernier épisode, ça va, c'est pas non plus dramatique. Bon, maintenant on retourne sur ArtSwap, j'avais déposé des cryptos dans une pool de liquidités, USDT, USDC. Par rapport au suivi de crypto, c'est un petit peu chiant, donc on va essayer de faire au plus simple possible pour s'y retrouver sur notre suivi. Vous en faites pas, je vais tout vous montrer. Donc d'abord, on va les retirer de la pool de liquidités, le maximum. Évidemment, on doit approuver avant. Ça va, c'est juste une signature, c'est pas une vraie transaction, donc ça va aller vite. Voilà, maintenant je peux retirer, et je fais bien attention cette fois-ci à mettre le G-Way à 1,5, parce que j'ai envie que ça aille assez vite, et je vais évidemment ouvrir la transaction pour aller la voir en détail. Malheureusement, je peux pas bridger des USDT à partir de la blockchain Astar, donc je vais devoir les convertir en USDC, et c'est là que ça va être chiant, c'est là qu'il va falloir bien suivre pour voir ce que je vais faire sur mon tableur. Alors, on va garder cette transaction de côté, ok, on va pas la supprimer, on va aller sur Serious Finance, et ici je vais pouvoir convertir mes USDT
en USDC. C'est un protocole un petit peu spécial, un petit peu comme Curve et compagnie, où il y a une pool de stablecoin, il y en a même plusieurs maintenant. Et voilà, on peut échanger des stablecoins avec un très bon ratio, quasiment du 1 pour 1. Donc on va le faire, on va pas s'embêter. Voilà, le swap de mes stablecoins est terminé. Je peux aller voir la transaction en détail ici, ça va être important, vous allez voir. Donc j'ai échangé mes USDT contre des USDC. Et là, on va tricher un petit peu. Les USDC que j'avais déposés dans la pool de liquidité et que j'ai ressorti, j'ai fait une plus-value dessus. Donc je l'ai noté. Vous voyez, j'avais déposé 995 USDC. Et si je vais dans l'onglet gain stablecoin, on peut le voir ici, j'en ai sorti 997, j'ai une plus-value de 2$, et cette plus-value, je l'ai évidemment ajoutée à mon suivi de crypto sur FTX. Donc pour les USDC, on est bon. Maintenant, il y a les USDT. Alors pour simplifier vraiment ce qu'on va faire avec les USDT, c'est qu'on va pas calculer la moins-value qu'on a fait sur la poule de liquidité. Vous en faites pas, c'est de la triche, mais à la fin, on retombe sur nos pieds. Donc j'ai 997,589 USDT, mais malheureusement j'en ai sorti que 995,8 de la poule. C'est pas très grave, c'est des poules de liquidité, c'est normal que ça bouge un petit peu. Comme là mes USDT, je les ai convertis en USDC, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Je vais à la fois calculer ma moins-value et à la fois calculer le swap que j'ai fait du USDT à USDC. Donc je vais prendre sur mon tableur cette quantité d'USDT. 997,589, et j'ai un onglet qui s'appelle Swap Stablecoin. C'est ici que je mets toutes les conversions que je fais entre deux stablecoins, que ce soit des swaps ou que ce soit des transactions de bridge. Et là, on va mettre que j'ai échangé des USDT contre des USDC en utilisant du coup Sirius Finance. Ça m'a coûté 0 en frais parce que Sirius Finance, ça coûte que dalle. Et par contre, combien j'ai reçu d'USDC en échange? J'en ai reçu 995,338. Comme ça, ma moins-value est prise en compte et le swap aussi. Maintenant, évidemment, il faut que j'aille ajouter ça sur FTX. Donc, depuis mon portefeuille à une source externe, 997,589 USDT. Et depuis une source externe à mon portefeuille, 995,338 USDC. Normalement, on est bon niveau suivi. Devrait pas trop y avoir de problème. Allez, on a presque terminé avec ces USDC, on va les envoyer sur Polygon. Évidemment, je vous spoil pas tout de suite, si vous avez vraiment envie d'être spoilé, allez directement à la partie de la vidéo où je fais travailler ces USDC. Pour l'instant, je vous dis pas où est-ce qu'on va aller, sachez juste que ça va parler d'NFT aujourd'hui. On n'oublie pas de noter la transaction du bridge sur le tableur, j'ai échangé 2080 USDC contre 2078 et quelques, on va noter ça. Voilà, c'est noté, du coup j'ai perdu 1$ en utilisant le bridge et ça aussi, vous vous en doutez, je vais l'ajouter sur FTX. Donc depuis une source externe à mon portefeuille, 1$. Évidemment, je ne m'étais pas trompé, c'était une erreur totalement intentionnelle de ma part. J'ai pas du tout été trop vite et j'ai pas du tout mal rempli les cases, hein, vous vous en doutez bien, c'était un test. Allez, je suis sûr qu'à la maison, vous avez réussi le test de toute façon. Mes USDC viennent d'être bridgés et c'est pas tout à fait fini, il va falloir que je les convertisse en USDT. Alors c'est un petit peu ironique hein, parce qu'on vient de convertir des USDT en USDC. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est la vie, j'ai pas choisi, c'est des USDT dont j'ai besoin, donc je suis bien obligé. Je vais les convertir du coup en utilisant Matcha, c'est un optimiseur de swap, je l'utilise pas très souvent, donc pour une fois, j'avais envie de le mettre à l'honneur. Si le terme optimiseur de swap ne vous dit rien, c'est normal, c'est parce que c'est moi qui l'ai inventé, normalement on dit agrégateur de DEX, et ce genre de protocole vous permet d'échanger des cryptos au meilleur prix en regardant vraiment la meilleure route possible. Parce que les USDC, on peut les échanger contre des USDT sur plein de protocoles différents sur la blockchain Polygon. Donc forcément, c'est bien d'avoir des outils comme Matcha, comme OneInch, comme Paraswap, pour en citer plusieurs, qui vous permettent de trouver la meilleure route. Et voilà, j'ai jamais utilisé Matcha dans cette série de vidéos, je crois, donc pour une fois, on le met à l'honneur. Alors, on va cliquer sur le petit bouton reçu pour avoir en détail la transaction. Et pour une fois, ça arrive pas tout le temps quand on fait des swaps comme ça de stablecoin, mais pour une fois, j'ai gagné à faire ce swap. C'est cool. Bon, je vais pas non plus devenir riche en faisant ça, on va pas se mettre à faire de l'arbitrage non plus, mais j'ai gagné 11 centimes. Voilà, c'est toujours ça de prix, hein, c'est toujours sympathique. Hop hop hop, on perd pas la main, on doit noter nos fameuses transactions sur FTX. Donc mon portefeuille, source externe, 2078 et quelques USDC, on est bon. Aïe, 1794$, vite, 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 il faut que j'ajoute les USDT là, ça fait peur.
Donc depuis une source externe à mon portefeuille, 2079$ enregistré. Normalement, ça devrait faire du bien. Ah voilà, 3873$. Fini le suspense. Où est-ce que je vais déposer mes USDT? Eh bien, c'est sur Hyphen, quelque chose qui a été développé par Bikonomi. Alors, je connaissais pas plus que ça Bikonomi avant. J'avais juste déjà vu le nom passer. Voilà, donc si jamais ça vous parle. Non, je ne vais pas en dire plus sur Bikonomi ou Bikonomi, je ne connais pas. Le protocole s'est très récemment lancé aussi sur la Binance Smart Chain, si jamais ça vous intéresse. Et on a des rendements actuellement, hein, forcément, on est sur la DeFi, donc ça va changer au moment où vous allez voir cette vidéo, mais actuellement on a du 56% sur de l'Ethereum. Autant vous dire que moi, sur mon portefeuille perso, j'en avais un petit peu qui traînait. Je leur ai vite trouvé une place, hein. Si je sors cette vidéo assez rapidement et que vous la regardez à sa sortie, il y aura sûrement encore de la place pour que vous puissiez mettre des Ethereum. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, il reste de la place pour 105 Ethereum. Je pense que c'est large. Alors, pourquoi j'ai choisi spécifiquement les USDT sur Polygon? Bah, vous le voyez, c'est la sélection naturelle, hein. 63% d'intérêt, ça donne envie, ça donne envie. Donc, pour ajouter des liquidités, on va sur l'onglet pool. Alors, soit on clique sur la crypto qui nous intéresse et ça nous amène directement à la pool de liquidités, soit on peut cliquer sur le petit bouton ici. Et moi, j'ai de la chance, il m'a directement mis sur l'USDT. Alors, je sais pas s'il nous met sur la crypto qu'on a le plus dans notre portefeuille ou si c'est juste un hasard parce qu'il met l'USDT en premier. Peu importe, je vais déposer tous mes USDT. Ah, vous voyez que l'APY, il a été mis à jour là, il est un petit peu plus bas, il est vers 50%, ça reste pas mal du tout. Vous voyez qu'il y a une limite aussi sur cette pool de liquidité. Il y a 203 000 USDT de déposé, la limite c'est 500 000. Donc forcément, si on atteint cette limite de 500 000$, les APY vont encore baisser, mais ils seront autour de 20%. Ce qui est vraiment pas dégueulasse sur des stablecoins. Petit bon point aussi sur Hyphen, c'est que quand on fait un approval, on peut choisir soit d'approuver à l'infini, c'est-à-dire que j'aurais pas besoin de réapprouver ensuite pour redéposer des stablecoins, soit je peux désactiver cette option, et dans ce cas, je devrais réapprouver à chaque fois que je veux déposer des USDT. Moi, je vais désactiver cette option, c'est un chouïa plus safe. Alors forcément, ça va coûter plus cher en frais si jamais je réutilise le protocole, mais si jamais je ne réutilise pas ce protocole, ça change pas grand-chose à ma vie, et dans tous les cas, on est sur Polygon, les transactions coûtent autour d'un centime, ça va. Ok, la transaction n'est pas passée, je sais pas trop pourquoi. Bah, je vais tout simplement recharger la page et refaire la transaction, hein. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Ça allait juste suffire de recharger la page. Maintenant, je peux confirmer supply, donc déposer mes USDT dans la pool. Et c'est là que les NFT rentrent en jeu, parce que en faisant ça, je vais pas recevoir un vulgaire LP token, je vais recevoir un NFT. Et oui! Oh merde, la transaction elle est pas passée encore une fois, bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop, on remet les USDT, on refait la transaction, et normalement ça devrait passer. Donc je vous parlais de NFT, alors on le voit pas tout de suite, mais là c'est ma position, hein. J'ai mes 2079 USDT de déposé, et du coup ça m'a fait minter un NFT. Donc si je vais dans l'onglet farm maintenant, je vais pouvoir déposer ce NFT, comme je déposerai des LP tokens, pour avoir des intérêts en Biko, peu importe comment on prononce, on s'en fout. Hop, on va aller faire ça. Voilà, je peux voir ma position en NFT. Sincèrement, assez simple, mais assez stylé. Alors évidemment, hein, je suis obligé de le dire, ça ressemble beaucoup au NFT d'Uniswap. Je sais pas d'ailleurs si Uniswap, c'était les premiers à faire des NFT pour des pools de liquidité. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit ce concept arriver, peut-être sur des protocoles qui existent déjà, genre PancakeSwap. Je ne sais pas, je suis pas dans l'avenir, mais en tout cas, ça a l'air d'avancer et les NFT vont peut-être remplacer les LP tokens au fil du temps. Avec ma position, je devrais gagner autour de 2,13 Biko par jour. Alors, je sais plus exactement combien il vaut ce token, mais au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'il vaut 1,10$. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Plus de 2$ par jour. On se met bien. Mais je vous rappelle encore une fois que toutes les liquidités n'ont pas été ajoutées dans la pool, il y a encore de la place. Donc forcément, j'ai de grandes chances de voir les APY baisser. Mais ça va, ça descendra au plus bas vers 20%, on l'avait déjà calculé. Boum, ça y est, c'est déposé. Je peux réclamer du coup mes rewards à tout moment. Il n'y a pas de conneries, de rewards qui sont bloqués ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment bien, on peut tout récupérer quand on veut.
hein, un peu comme sur PancakeSwap par exemple. J'aime bien ce genre de protocole, j'aime pas du tout quand c'est des rewards bloqués ou quoi que ce soit. Donc voilà, je suis assez satisfait. Vous avez évidemment le lien de tous les protocoles que j'utilise dans la description pour être sûr de tomber sur les vrais et de pas tomber sur des fakes ou quoi que ce soit. Je me rends compte que ça fait déjà 43 minutes que j'enregistre cette vidéo. Alors elle fera pas 43 minutes, hein. Il y a des moments où il y a du blanc où je coupe. Mais finalement ce sera pas un épisode très très court. Tant pis, une prochaine fois on verra bien. Donc là on va passer sur la UOB EcoChain pour terminer cet épisode. Et on va pas faire grand chose puisque j'avais pas mis beaucoup d'argent sur cette blockchain. Il y a même pas 200$. J'ai des intérêts en DMT et on va tout simplement les convertir en Ethereum pour rajouter encore plus d'Ethereum USDT sur la poule. Alors théoriquement je devrais convertir mes DMT en Ether et en USDT pour les rajouter dans la poule de liquidité, mais il s'avère qu'il me reste un petit peu d'USDT qui traîne sur le portefeuille, donc je vais tout convertir en Ethereum et ce sera très bien comme ça. Forcément pour convertir mes DMT en Ethereum j'utilise MDEX et vous le voyez je reçois une quantité assez ridicule d'Ethereum, hein. On est sur quelque chose qui vaut même pas 2$. Sur mon tableur, j'ai ajouté la fameuse transaction où j'ai échangé mes DMT, et du coup j'ai reçu cette quantité d'Ethereum. Comme c'est des gains que j'ai fait, c'est théoriquement 100% de la plus-value, donc je vais pas l'ajouter comme si j'avais acheté de l'Ethereum, je vais l'acheter comme si j'en avais reçu comme par magie dans mon portefeuille, donc comme d'habitude, depuis une source externe vers mon portefeuille, et c'est une quantité encore une fois assez risible, hein. Il me semble que c'est ça. Bref, c'est bientôt fini, on va sur l'onglet pool, on ajoute de l'Ethereum, de l'USDT. D'ailleurs, cet ajout va falloir le noter dans le tableur, mais je vais pas faire une nouvelle case sur le tableur. Hop, je vais vous montrer vite fait comme je l'ai sous la main. Je vais tout simplement aller dans l'onglet pool de liquidité et je vais ajouter tout simplement la quantité d'USDT, la quantité d'Ethereum que j'ai déposé dans la pool. Ça, je vais pas vous le montrer dans la vidéo parce qu'on s'en fout un petit peu, mais si ça vous intéresse, dans la description, vous avez le lien du tableur pour voir combien maintenant j'ai d'USDT et d'Ethereum sur cette pool de liquidité. J'ai terminé de réinvestir mes intérêts sur la UOB EcoChain, hein. Mes Ethereum USDT ont été redéposés sur Demeter Finance. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Hein. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas en commentaire, n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, j'essaierai d'y répondre si c'est assez pertinent et si j'ai le temps. Normalement, ce sera pertinent et normalement j'aurai le temps. Comme d'habitude, pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, j'ai plus grand chose à vous dire, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.